Frérot, faut que je te dise un truc aussi. Lâche un commentaire et aussi lâche un petit like, un petit pouce bleu, tu vois. Tu fais juste, tu vois, tu prends ta souris, tu fais hop, ça marche. Et moi, je suis content. Et si je suis content, vous êtes tous contents. Parce que si je suis content, je fais plus de vidéos. Voilà. Lâche un gros pouce bleu. Allez, à tout de suite. What's up, mes warriors? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, de toute façon. Et aujourd'hui, pour une vidéo que vous attendez tous, le best Clothim subscriber. Voilà, vous avez été vraiment, vraiment nombreux cette fois-ci. Pourtant, au début, c'était pas facile d'avoir des tenues à vous. Mais bon, au final, voilà, j'ai même des potes très, très proches qui m'ont donné leurs photos et tout. Donc, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, on va commencer avec Sergio Cordero. Donc, ça c'est un vrai pote de ouf, donc voilà, franchement il est BG, hein, on peut pas dire le contraire. Casquette New Era, manteau two angle, sweat lacoste gris, jean pull and beer et Nike SB Trainer Ender Premium. Donc vraiment très belle tenue, en plus la couleur en marron, frérot, elle va super bien. Donc t'es au top, franchement, continue comme ça. Nous avons un couple en plus de ça, donc Omar avec sa copine. Donc vraiment, vous êtes vraiment trop mignons. J'espère que ça marche super bien entre vous. Bonheur à vous. Donc casquette Nike, t-shirt oversize, pull purpose, tour, Adidas, Trax, Pence, Yeezy Pirate Black. Et pour elle, c'est pull Tommy Hilfiger et jean distressed Vans Old School. Donc vraiment très très belle tenue tous les deux. C'est vraiment nickel. J'aurais peut-être pas opté pour un jogging en fait pour Omar, mais franchement ça passe plutôt bien. Après c'est vrai que c'est à la mode un peu dans le streetwear de mettre des joggings avec des trucs assez communs à tous. On va passer tout de suite à l'autre participant. On a le poteau Jérémy, donc au Bershka, t-shirt oversize Bershka, pardon, qui se voit pas trop, c'est vrai d'ailleurs. Et pantalon zippé H&M, donc le noir, tout simple. Donc vraiment très très belle tenue, je kiffe vraiment le haut Bershka. D'ailleurs, Sizzle, je crois, il en a un aussi et il est vraiment magnifique. Ça fait vraiment stylé de ouf. Donc franchement, super tenue, Jérémy. A très bientôt, j'espère, poteau. Bon, après, les poteaux, ça va défiler. Hein. Donc là, voilà, il y a Sizzle, casquette Bieber, pull rose Citadium, pantalon noir zippé, chaussettes Adidas blanches, à bande noire et band sans lacet blanc. Donc franchement poteau, c'est une tenue super. J'adore aussi ton pull Citadium d'ailleurs, mais par contre les chaussettes, moi je les aurais mis un tout petit peu plus bas. Je pense que de toute façon dans cette mode là on fait tous cette erreur avec les chaussettes, on n'arrive pas trop à savoir comment les disposer et tout, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais sinon super tenue, que dire, bah écoute, voilà, super tenue tout court. Donc voilà, merci et à très bientôt Sizzle, j'espère. On passe, bah j'ai pas son nom, on passe à je ne sais qui et puis j'ai pas son nom, donc désolé, j'ai dû couper au mauvais endroit et je peux pas récupérer malheureusement, donc je pense que tu te reconnaîtras de toute manière. Alors c'est une casquette de Superman tout simplement, Sweet John H, et en dessous c'est un t-shirt Six June et jean Zara et basket Air Force. Donc moi je kiffe bien, et t'as vu que, enfin maintenant, enfin John et H, franchement, ils se sont imposés vraiment dans le style parce que c'est vraiment pas cher. Et puis en plus, c'est carrément stylé en fait. Ça me fait penser un peu à la marque Uniplay où j'avais acheté un t-shirt. D'ailleurs, il est par là, tout comme ça. Donc voilà, franchement, super tenue. Poto, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont très bien. Là, on va passer à Julien Justin Moon. Donc toujours, voilà, il a sa petite... lui, il aime bien les petites chemises et tout. Donc chemise H&M à carreaux, t-shirt long H&M et t-shirt style Yeezy H&M qui est en dessous en superposition. Jeans skinny ourlé zippé H&M. Donc ça doit être celui que j'ai. D'ailleurs, je l'ai un peu plus trouvé. Et chaussures Adami Vans. Donc, vraiment stylé, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Les couleurs vont très très bien ensemble. Les Vans, franchement, sont au top. J'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup le Dami et tout. Là, nous avons la publication de Hugo RD. Hugo, c'est en privé que ça se passe parce que sinon, ça n'a pas de but de montrer à tout le monde ce que tu as proposé avec les marques et que je le fasse en vidéo en fait. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, je te dis, c'est la prochaine fois, ça sera en privé, ça sera beaucoup mieux et comme ça gardera un peu la surprise. Donc, voilà, donc snapback cash money, t-shirt oversize blanc HM, veste Celio, Sarwell Stratum,
Donc toi, t'aimes vraiment bien les trucs en cuir, hein, à ce que j'ai pu comprendre. Et Rocheron Nike. Donc voilà, les Rocheron, elles sont super belles et ça va très bien avec la veste Célio. Donc très très belle tenue. Après, nous avons Owen qui nous fait une très belle tenue comme d'habitude de toute manière. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir à chaque fois parce qu'il nous montre un style différent d'une autre, un peu beaucoup plus old school. Donc il a dit je te balance mon look. Alors casquette suprême, Sweet OSB, donc ça c'est sa marque. Donc j'espère qu'il la lancera très très prochainement pour que vous puissiez acheter cette marque parce que c'est vraiment stylé. Jogging Adidas et paire de Ultra Boost 2.0 triple white, super belle franchement. Bon voilà, t'as très bien mis la tenue, c'est nickel, y a rien à redire. Après nous avons Mika, parce qu'à chaque fois j'ai du mal, je sais jamais si c'est Michael ou Mike, j'ai vraiment du mal, excuse-moi Mika. Donc chaîne Azos, long sleeve Ralph Lauren et jean Bershka avec chaussures Puma Star. Je savais pas que Puma avait fait des chaussures comme ça. J'en ai pas souvenance, mais en tout cas elles sont très très belles. J'aime beaucoup tes chaussures, donc vraiment stylé Mika. De toute façon, voilà, t'es mon spécialiste TMTS. Donc voilà. Après, nous avons Léo Bonnet, je crois. Donc chemise H&M, jean Destroy Primark, chaussures Doc Martens, basse et voilà, tout simplement. Donc c'est classe, mais c'est pas une tenue que je porterai parce que, en fait, je trouve que ça te maigrit plus qu'autre chose et je sais pas si c'est bien. Faudrait peut-être un pantalon un peu moins slim qui te boudine un peu les jambes. Mais sinon c'est une belle tenue. Hein. Mais moi, je porterai pas ça personne. On va passer à Omar, encore une nouvelle fois, qui donne sa propre tenue. Donc vraiment stylé, mais alors là, il a tout pété de ouf. T-shirt oversize vert militaire, H&M, pure pose tour avec capuche beige, staff, bomber vert militaire, skinny H&M et Yeezy Boost. Franchement, magnifique tenue, il n'y a vraiment rien à redire, vraiment. Mais vraiment rien du tout. Il y a ma petite chérie, donc voilà, veste de chez H&M, t-shirt Bershka, jean de chez Jennifer et Stan Smith verte comme d'habitude. T'as mis Stan Smith verte? What? Elles sont pas vertes, Stan Smith. Elles sont blanches. Qu'est-ce que tu me racontes, la mouache, là? Bah sinon, bah écoute, moi, je kiffe trop tes Stan. Hein. J'aime beaucoup ta veste, franchement, ça donne un effet... ce genre de veste, ça me fait toujours penser à des pétales en fait. Et voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de veste là. Et l'ensemble va très très bien. Va très très bien. Il manquerait peut-être un petit collier un petit peu plus gros pour que ça fasse moins dénudé ici. Parce que c'est vrai que le collier là se voit pas trop trop. Après c'est peut-être la photo je pense. Donc voilà, très très belle tenue. Après nous avons passé tout. C'est tous les poteaux, donc bah écoutez, vous avez été quand même assez nombreux, c'est un truc de ouf, donc je suis très très content. J'espère que la série continuera. À vous de me le dire si vous voulez une autre série et tout pour y participer. Et bah écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, ce sera sympa, lâchez un bon pouce bleu, ça fera plaisir. J'espère que les vidéos du moment vous plaira. C'est vrai que j'essaye de diversifier un peu les choses. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Peace mes warriors, mais pas sur moi. Pouh.